Ça, elle parle de la lutte contre le péché. Et la lettre aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Et c'est vrai que c'est dans cette lutte contre le péché que le Seigneur veut nous entraîner. Et non pas seulement notre péché que nous portons, malheureusement, mais aussi parfois le péché aussi qui, via notre rencontre, et peut-être peut nous troubler, nous déranger, nous faire mal, en fait. Et le Seigneur veut nous donner cette résistance au péché, de lutter contre les péchés, mais en même temps de savoir mettre les péchés à sa place, quand sont des choses extérieures. Mais en même temps, ayons un cœur de fils, parce que la parole, en fait, qu'est-ce qu'elle veut nous donner comme grâce aujourd'hui? La grâce d'un cœur filial. Ça veut dire de faire confiance à Dieu le Père en toutes circonstances. Père, j'ai confiance en toi. En tout ce que peut-être je peux comprendre, ce que je ne comprends pas, ce que pour moi c'est plus joyeux, en ce que c'est pour moi plus difficile. Demandons cette grâce d'avoir ce cœur filial, ce cœur confiant et ce cœur abandonné entre les mains du Père. Et après, la lecture nous parle en disant « Toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, cependant, elle rapporte à ce qu'elle a exercé le fruit de la paix et de la justice. » Regardez, qu'est-ce que le Seigneur veut aussi nous donner comme grâce? Je parlais du cœur filial, mais aussi nous accorder la paix et la justice. Voilà. Demandons vraiment, et le verset 14 nous dit, rechercher la paix avec tous. Voilà, on a avoir un cœur filial, un cœur de fils, pour accepter des corrections. Après, cela va produire un fruit de justice et de paix. Et si je suis dans la paix, je vais aussi vivre avec les autres. Je vais construire la paix autour de moi. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, cette sanctification sans laquelle personne pourra voir le Seigneur. Et il y a un chemin de sanctification pour chacun de nous. Il y a un chemin par où le Père veut nous conduire. Mais demandons là cette certitude de la foi, cette force de la foi, pour cette clarté de la foi, pour entrer dans le chemin que le Seigneur nous demande de passer aujourd'hui. Soit s'il est bon, soit s'il est plus difficile. Mais que nous ayons la force de la foi pour passer. On sait que parfois il y a des choses difficiles, mais on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'on sait que ces choses difficiles, c'est une étape dans notre vie. On ne va pas rester toujours à la même place. On ne va pas rester toujours dans la même situation. Un jour, les choses seront dépassées. Et pour cela, on peut se réjouir déjà dans la foi que cette difficulté va dépasser. Cette chose pour nous difficile, c'est même une correction, mais nous allons passer par là, que nous puissions passer cela avec un bon cœur pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits, de bons fruits dans notre vie. Ok? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, 102, versets 1, 2, 13, 14, 17 à 18. Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son Saint-Nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que dans le moment aussi difficile, on peut se dire, ah, il y a des belles choses que le Seigneur m'a déjà données, de belles grâces. Et je m'appuie sur les bonnes grâces que j'ai déjà reçues, sur les bons moments que j'ai vécus, pour maintenant pouvoir dépasser les moments qui peut-être seront aujourd'hui plus difficiles. Je pense surtout à une vie en communauté, une vie en famille, où parfois on nous peut dire aujourd'hui il y a quelque chose de difficile, mais attachons-nous au bon moment, à les bonnes choses, pour que nous puissions avoir la force pour garder l'espérance, pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient des poussières, que poussière nous sommes. Dieu le Père nous connaît. Connaît notre fragilité. Il sait que nous sommes poussière. Mais le Seigneur, notre Père, Dieu notre Père, il est tendre pour nous. Il a de la tendresse envers nous. Et cela nous encourage.
Et après, mais l'amour du Seigneur est pour qui le craint, aide toujours et à toujours, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance. Mais l'amour du Seigneur est pour ceux qui le craint. Voilà. Cette crainte du Seigneur, ça veut dire, je ne veux pas faire rien que soit contre ta volonté. Je ne veux faire rien que soit contre ta volonté, ô Père. Et le Seigneur, à cause de cet acte d'amour envers lui, le Seigneur toujours va nous combler de son amour. Toujours. On ne sera jamais seul. Le Père toujours nous accompagnera de son amour. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, versets 1 à 6. Marc 6, 1 à 6. Étant sorti de là, il se rend dans sa patrie et ses disciples les suivent. Le sabbat venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Et le grand nombre, en l'entendant, étaient frappés et disaient, « D'où cela lui vient-il ? Et qu'est-ce que cette sagesse que lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains ? Celui-là n'est-il pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? Et ils étaient choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelqu'un infirme en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villes à la ronde en enseignant. » Alors, dans cet évangile, Jésus vient dans sa patrie et ses disciples l'accompagnent. Et les gens, au début, on dirait qu'ils sont dans un bon accueil, ils font un bon accueil à sa parole. Ils sont surpris. Ils étaient frappés et disaient, d'où cela lui vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains? On dirait que c'est quelque chose de positif. Mais par la suite, on voit que ce n'était pas positif. Il parlait, mais d'une façon extérieure, superficielle. Ça veut dire que ce que Jésus faisait, ce que Jésus disait, ne touchait pas le fond de leurs âmes. Et pour cela, Jésus va dire, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. » Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa parenté et dans sa maison. Et ça peut arriver aussi à chacun de nous. Parfois, nous voulons évangéliser nos familles, les gens qui sont les membres de notre famille. Et parfois, les gens n'écoutent pas, n'accueillent pas. Et parfois, peuvent même avoir un regard tordu sur nous-mêmes en disant, mais je me souviens de toi, tu as fait telle chose. Mais ce sont des choses du passé. Ce sont des choses qui sont passées. Ça n'existe plus. Mais ça veut dire que le nouveau de notre conversion, de ce qui est le nouveau de la grâce et de notre vie, parfois les gens n'accueillent pas. Parfois ne voient même pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un regard de foi. Nous devons demander ce regard de foi pour être attentifs aux signes que Dieu nous donne. Parce que parfois, Jésus peut passer dans notre vie. Jésus, ça veut dire que Jésus passe par des personnes dans notre vie. Et peut-être notre regard est superficiel, n'est pas un regard de foi. Nous devons saisir les choses avec un regard profond, avoir un regard profond. Demandons cette grâce d'avoir un regard profond qui concerne bien sûr la foi. Ça concerne l'amour de Dieu. Ces deux choses, l'amour et la foi, toujours ensemble pour voir plus profondément. Et Jésus n'a pas fait grand-chose. Et Jésus était étonné à cause de leur manque de foi. Jésus est surpris par le manque de notre foi. Jésus est surpris par le manque de notre foi. Peut-être que Jésus a fait déjà tellement beaucoup de choses dans ta vie. Et Jésus dit, pourquoi tu n'avances pas? Cela, c'est valable pour nous, pour moi aussi.
Jésus fait tellement de belles choses dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie. Et nous, après, c'est comme cela n'a pas produit encore des fruits dans notre vie. Demandons vraiment la grâce du Saint-Esprit. Demandons que l'Esprit Saint vienne. Voilà, réveiller tout cela en nous. C'est comme le sucre qui est en nous, mais parfois il faut le remuer pour que le bon goût, le sucre, ça veut dire l'action de Dieu dans notre vie, puisse se manifester davantage. La lecture patristique d'aujourd'hui, le titre c'est « Le discernement », Biadoc, évêque de Fautissé. Il y a une lumière de la vraie connaissance qui consiste à discerner infailliblement les biens du mal. Il faut que ceux qui luttent gardent toujours leurs pensées à l'abri des tempêtes, afin que l'entendement discerne les suggestions qui les traversent. Il faut déposer dans les ciliers de la mémoire celles qui sont bonnes et envoyées par Dieu. Mais il faut rejeter celles qui sont mauvaises et diaboliques hors des entrepôts de notre nature. La purification de l'entendement appartient exclusivement au Saint-Esprit. Il faut donc, par tous les moyens et surtout par la paix de l'âme, permettre au Saint-Esprit de se reposer afin que nous ayons toujours la lampe de la connaissance brillante en nous. Si elle rayonne sans cesse dans les profondeurs de notre âme, non seulement toutes ces attaques cruelles et ténébreuses lancées par les démons se trouvent dénoncées, mais encore elles perdent beaucoup de leur vigueur quand elles sont prises sur les faits par cette lumière sainte et glorieuse. Cette lumière sainte et glorieuse du Saint-Esprit. Et pour notre consécration à la Vierge Marie, selon le traité de Saint-Louis Grignon de Montfort, nous sommes au dernier jour de la deuxième semaine. Nous sommes au dernier jour de la deuxième semaine. Ça veut dire demain, nous commençons une nouvelle étape. De son 31, nous sommes en train de voir les exercices préparatoires. La première semaine avec les 12 jours de purification. Après la première, il y a la première semaine où nous devons demander la connaissance de nous-mêmes, la contrition de nos péchés, et ils feront tout en esprit d'humilité. Dès le numéro 228. Après le numéro 229, deuxième semaine, ils s'appliqueront dans toute leur oraison et œuvre de chaque jour à connaître la Sainte Vierge. Troisième semaine, que nous allons commencer demain, elle est consacrée à connaître Jésus-Christ et de dire l'oraison de Saint-Augustin. Aussi les litanies de Saint-Esprit, aussi la prière de Ave Maria Stella, voilà, et aussi la litanie du Saint-Nom de Jésus. Au bout de ces trois semaines, de son 31, ils se confesseront et communieront à l'intention de se donner à Jésus-Christ en qualité d'esclave d'amour par les mains de Marie. Et après la communion, ils réciteront la formule de leur consécration qu'ils trouveront aussi si prêt, après. Et aussi dans l'archive que je vous ai envoyée, vous avez, c'est la dernière chose à la fin, vous avez la consécration. Ce serait important aussi de la faire par écrit. Vous pouvez la copier avec votre main, ok? Il dit qu'il faudra qu'ils écrivent ou la fassent écrire si elle n'est imprimée et qu'ils la signent le même jour qu'ils l'auront faite, 232. Il sera bon que ce jour, ils paient quelques tributs à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère. Or, ce tribut sera selon la dévotion et la capacité de chacun, comme un jeûne, une mortification, une aumône, un cierge. 233. Tous les ans, au moins, les mêmes jours, ils renouvelleront la même consécration, observant les mêmes pratiques pendant trois semaines. Ils pourront même, tous les mois et tous les jours, renouveler tout ce qu'ils ont fait par si peu de paroles. Je suis tout à vous
et tout ce que j'ai vous appartient en mon aimable Jésus, par Marie, votre Sainte Mère. » 234. Deuxième pratique. Ils réciteront tous les jours de leur vie la petite couronne de la Très Sainte Vierge, composée par 3 pater et 12 ave, en l'honneur des 12 privilèges et grandeurs de la Très Sainte Vierge. 236. Port des petites chaînes de fer. Troisième pratique. À ceux et celles qui se seront ainsi faites esclaves de Jésus en Marie, ils porteront pour marque de leur esclavage amoureux des petites chaînes de fer bénites et d'une bénédiction propre qui est si près. Après, ces marques extérieures à la vérité ne sont pas essentielles. Une personne peut fort bien s'en passer, ça veut dire sans le grignotement fort, ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, dans notre communauté Semence du Verbe, et c'est la suggestion aussi que je vous donne, c'est de porter le chapelet et aussi les scapulaires. De porter un chapelet et aussi un scapulaire. 238. Pourquoi on porte ces chaînettes? Premièrement, c'est pour faire ressouvenir les chrétiens des vœux et engagements de son baptême et de la rénovation parfaite qu'il en a faite par cette dévotion et de l'étroite obligation où il est de se rendre fidèle, comme l'homme qui se conduit souvent plus par des sens que par la pure foi, s'oublie facilement de ses obligations envers Dieu s'il n'a que quelque chose extérieur qui lui remette en mémoire. Ces petites chaînettes servent merveilleusement aux chrétiens pour les faire ressouvenir des chaînes du péché et de l'esclavage du démon dont le Saint-Baptême l'a délivré et de la dépendance de Jésus-Christ qui lui a voué par le Saint-Baptême et la ratification qu'il en a faite par rénovation de ses vœux. 239. Secondement, c'est pour montrer qu'on ne rougit point de l'esclavage et servitude de Jésus-Christ et qu'on renonce à l'esclavage funeste du monde, du péché et du démon. Troisièmement, c'est pour se garantir et préserver des chaînes d'iniquité. 240. Vous noterez que le Saint-Esprit, avant de dire ces paroles, et prépare l'âme afin qu'elle ne préjette pas son conseil important. Écoute mon fils et reçois un conseil d'entendement et ne rejette pas mon conseil. Voilà, nous finissons aujourd'hui. N'oubliez pas de faire la prière de l'Annitale du Saint-Esprit, aussi la prière de Ave Maria Stella, et aussi encore les rosaires avec les méditations qu'a faites Saint-Louis Grignon de Montfort. Et aussi, n'oubliez pas de rajouter aussi les mystères lumineux, parce qu'à l'époque, ils n'existaient pas. Alors, les 4 chapelets. Vous pouvez prier un le matin, un autre au milieu du jour, un autre l'après-midi, un autre le soir. Comme ça, ne devient pas lourd. Et maintenant, j'ai fini en vous donnant la bénédiction par l'immaculée pure de la Vierge Marie. Les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.